Tu dis quoi, toi? On se jette? Ouais. Pourtant, c'est pas trop son truc, à Chiara, de plonger dans les rivières glacées. Mais aujourd'hui, elle a eu envie, allez savoir pourquoi. C'est finalement pas tous les jours que les deux frangins sont réunis comme ça au bord de l'eau. Ils sont en Ardèche. La rivière coule turquoise et limpide, plein été sur leur visage aérien. On est bien. On emmerde le monde entier qui peut bien continuer à tourner si ça lui chante. Chiara étire ses jambes sur les roches qui impriment leur marque contre ses mollets. C'est toujours un peu dur les pierres, mais bon, ça va, on s'y fait. Elle a enlevé le haut de son bikini, ça te dérange pas, hein? Ah ben non, fais comme tu veux, dit Léo qui, lui, plus pudique, garde son maillot de bain au motif de vagues à la Hokusai. C'est rare qu'ils partent tous les deux en vacances comme ça. En fait, c'est presque jamais arrivé. Donc, au début, on est toujours un peu gêné. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va quand même pas dîner aux chandelles. Et puis, on commence à boire et alors tout disparaît. Encore secoué par la gueule de bois, ils ont décidé aujourd'hui, sans même devoir le formuler, de troquer la journée kayak contre une journée à rien foutre. Ça paraissait beaucoup plus sensé. Et puis, en fait, dit Chiara, on s'en fout un peu du kayak, non? Ah, moi, c'est simple, dit Léo. Moi, j'ai toujours détesté ça. Pagayer là comme un con, avec les pieds dans l'eau tiède. Bof. Alors, ils se sont allongés sur les pierres avec deux morceaux de fromage, du jambon, du saucisson, qu'ils n'ont pas eu le temps d'entamer. Le soleil était comme du miel sur leur peau qu'il fallait immédiatement étaler. On relâche les pieds. On ferme les yeux. Sous les paupières de Chiara, ça danse. Comme tous les mois de juillet, depuis qu'elle est petite, elle rejoue l'ensemble de sa vie. D'un jeu de mémoire, les premiers temps, la chose était devenue un rituel. Elle avait lu ça quelque part, ou peut-être qu'elle avait inventé, ou peut-être que quelqu'un lui avait soufflé, elle ne sait plus. En tout cas, elle procède ainsi. Elle part d'un point de sa mémoire, n'importe lequel, un instant suspendu dans le jardin d'une maison quelque part dans le Tarn, par exemple, un expresso dans une main, Billy Holiday qui lui souffle quelque chose à l'oreille. Et de là, elle doit passer à un autre, de manière aléatoire et sans chronologie aucune, et ainsi ricocher dans tous les recoins possibles, jusqu'à épuisement. L'été se prête à ces dérives hypnotiques évanescentes dans la ruche des jours passés, toujours réinventés, toujours à venir. L'autre technique, plus bête et méchante, mais qui aiguisait les muscles de l'hippocampe, consistait à repartir de l'été précédent, de le repasser entièrement, dans l'ordre, puis de traverser ainsi l'année écoulée. Moments saillants, événements secondaires, instants, défaites, renaissances, rencontres, méprises, et survoler comme ça, en vol plané, le dédale des jours, pour ne pas s'y perdre, et jusqu'à arriver au bout du cercle, parce que c'est un cercle, qui s'achevait à ses pieds, cet été-ci, ce jour-là, sur lequel elle ouvrait alors les yeux, et retournait généralement se baigner, parce que c'est ce qu'on fait en été. Ces jeux mentaux lui avaient permis, au fil des années, de se situer dans le monde, de créer son territoire, peut-être même, allez savoir, une sorte d'identité volontairement flottante, mouvante, malléable, aiguisée comme une pierre et fluide comme une mer intérieure. Dès qu'elle fermait les yeux, elle replongeait dans cette matière aquatique, minérale, qu'est une vie. Et comme ça, de saut en gambade, elle tissait, retissait, parvenant peut-être, au bout du compte, à habiter un peu son corps. Toujours un peu 14 ans. Dans ce garage, première boum, l'émotion lui soulève le ventre, des mains tâtonnent dans le noir,
Franchement, elle préférait pousser la grille et disparaître à tout jamais que d'être enfermée là avec ses autres corps empotés. Mais, tout à coup, il y a cette chanson qui s'élève des baffles pourris qu'ils ont empruntés au grand frère de Justine. Des guitares qui pleurent, une voix qui hurle et la transperce. Et tout à coup, Chiara pense à un amour immémorial qu'elle ne connaîtra jamais, qui prendra peut-être les noms de Clément, d'Éric, de Sylvain. Sylvain, ce petit con là, assis là, avec un coca à la main. Un amour qui jamais n'atteindra la puissance promise par cette chanson. Jamais le réel ne tiendra les promesses de Crazy d'Aerosmith. Ça va, Frangine ? Demande Léo. Oui, tout va bien. Je crois que je me suis un peu endormi, en fait. Moi aussi, dit Léo, en buvant un peu d'eau. On n'est pas trop mal ici, non ? On fait quoi ? On reste un peu ? Ah oui. Et Chiara ferme à nouveau les yeux. Le soleil dessine sur sa peau l'entrelac de branches qui l'ombragent. Sous ses paupières, deux grandes boules rouges. Le flux du cours d'eau la reprend. L'eau clapote à ses pieds. Et sous ses yeux, Chiara a 17 ans. Elle faisait toujours la même scène. Ça suffit, moi je me casse. Ce soir, je fais mon sac et je me casse. Elle jetait des trucs dedans, les gestes brusques, décidés, ça tombait à côté. C'est pas grave. L'important, c'était le geste. Le truc un peu dramatique. Alors, autour, on faisait comme si. Il fallait bien faire, sinon c'était pire. Allez, Chiara chérie, on est désolé, on va reparler, ça va s'arranger. Mais elle, non. Cheveux sauvages, pose dramatique. Elle continuait à jeter ses fringues dans les trois rectangles prévus à cet effet. Elle éclate souvent, Chiara. C'est ainsi. Elle ne s'y oppose pas. Elle accueille ce qui vient. C'est pourtant une fille solaire aussi, légère, enjouée même parfois. Mais tout à coup, les traits se raidissent, et alors c'est fini, plus de retour possible, il faudra s'y faire. Son père et ses frères avaient fini par s'enlacer. Alors quand elle avait vraiment franchi la porte du 36 rue du Faubourg Montmartre, ils avaient pensé, c'est simplement le cinéma habituel, poussé un peu plus loin. Ils avaient continué à boire leur café, leur cacao. Pendant qu'à la radio, un penseur docte pensait et analysait le cours du monde. Toute cette farce qu'on appelle vie ou temps, peu importe, n'est finalement qu'affaire d'accélération et d'interminable ralentissement. C'est un fil qu'on tire, qui s'étire et se tend, qui dans un clac se rétracte. Et ce rond, il y a du temps long et il y a les accélérations pulsionnelles du temps. En voilà une justement. Chiara marche à pas tranquille sur l'avenue grise. Elle a pris le gros sac à dos, celui avec les bandes bleues turquoises qui pendent, celui des grands voyages qu'elle n'a pas encore entrepris. Il ne pèse pas sur son dos, il n'y a rien dedans. Elle monte dans la ligne 4, elle descend à Gare du Nord, elle cherche le nom qu'elle a sur les lèvres, dans la liste des trains en partance. Elle le fait uniquement pour le geste, parce qu'elle sait parfaitement l'heure et le quai. Elle le sait. Elle achète une bouteille d'eau, Berlin. Elle la fout dans la grande poche de sa veste, elle s'allume une clope dans le hall, Berlin. Le quai est là, sa vie aussi. Dans le train de nuit, elle ne dort pas,
Comment pourrait-elle? Toute la cabine tremble et elle avec. Les zones industrielles, les zones pavillonnaires défilent par la fenêtre. Elle serre les poings, allongée sur sa couchette. Elle a ouvert le sac et se l'est foutu sur les pieds. Personne ne sait qu'elle est là. Et Chiara pose un pied ce matin-là sur le sol glacé de Hauptbahnhof à 9h20, vendredi 14 mars 1997. Ses poings se sont relâchés, ses mouvements sont fermes et décidés. Elle ne sait pas où elle va. Elle la connaît pourtant déjà, cette ville, de l'avoir tant arpentée en pensée, en film, en musique. Mais les fantasmes, aussi élaborés soient-ils, ne coïncident jamais avec les murs et les véritables textures. Ils se situent ailleurs, dans un troisième lieu que l'on n'atteint jamais vraiment, mais qui, lentement, se mêle au réel pour le teinter de leur couleur. Chiara s'attaque donc au massif, et chaque angle la surprend. En premier lieu, ce qui l'attrape, c'est la laideur. Les couleurs, les formes, les édifices, tout est affreux. Et pourtant elle perçoit immédiatement le charme sous le béton, l'aventure possible, l'énergie insensée d'un lieu. Toute sa vie, elle sentira cela, avant toute autre chose, l'esprit distinct de chaque rue, de chaque maison, aussi chargée ou vide que possible, capable de l'envelopper en un instant de joie ou de larmes. À 18h, elle retrouve sa fidèle amie Adèle Cara dans un café de Mitte. Elles se sont rencontrées au lycée. Aussi folles et impertinentes toutes les deux, elles se sont immédiatement reconnues. Même sang, même peau, on y va. Chiara et Adèle prennent de longs cafés crème dans des bars si grands qu'on pourrait y vivre pour toujours. Elles errent dans la ville, elles mangent dans des restaurants turcs sous des cascades fluorescentes. Elles embrassent des types dans le noir, elles dorment même parfois. Elles passent des nuits foireuses, elles ont des rendez-vous ratés. Elles dansent dans des squats perdus dans la brume, sans adresse, avec des amis de passage qu'elles ne reverront plus. Tout est flottant, décisif, incertain. Elles font le compte, chaque lundi, du fric qui leur reste. Adèle touche sa bourse d'étudiante en début de mois. Chiara gagne quelques marques dans le Fischladen, le bar du coin où elles passent leur soirée. Elles sentent bien qu'elles font une connerie, que leurs parents doivent être en colère. Elles s'en foutent, elles ont attendu ça toute leur vie. Elles avaient grandi dans de vagues rêves de Chelsea Hotel et de Factory, de transsexuelles et évanescentes et d'amour libre dans les champs de Woodstock. Alors la lame froide et métallique de Berlin est peut-être bien éloignée de ce qu'elles avaient imaginé, mais elle leur fouette la gueule. Berlin, qui poursuit alors sa renaissance, Berlin, dont les ruines tardent à laisser place à autre chose. Après l'euphorie de la chute du mur et des mois qui ont suivi, on est entré dans une zone intermédiaire. Reprise économique, terrain vague, euphorie et déjà une certaine désillusion. Mais là, où se joue vraiment la transition et la révolution des corps, là où se noue la réunification des deux mondes, c'est sous la terre, dans ces clubs fous et interlopes, où la rage et l'énergie accumulées se déploie enfin. Là, dans ses marges, ses souterrains, Chiara et Adèle dansent.
club, ses souterrains, ses trésors. Chiara et Adèle dansent. Elle y repense. En partant de chez elle, Chiara, elle avait voulu frapper un grand coup. Elle s'était dit, je serai pas comme vous, je serai pas comme toi, papa. Conformiste, maquillé en rebelle. Moi, je veux vivre le présent, dur, aiguisé, ardent. Je veux le présent, je le veux sur moi. Moi, à cet âge-là, on dit des phrases comme ça, et d'une voix péremptoire. Ah oui, en partant à Berlin, Chiara, tu pensais fuguer, déserter l'école, l'appartement, la famille, le grand train, entrer dans la sédition. Eh ben, en y repensant, à son balcon de Prenzlauer Berg, 23 ans plus tard, elle rit toute seule, son spritz à la main. Quelle petite conne prétentieuse. Elle s'était bien fourvoyée. En faisant sa supposée grande révolte, en partant vers l'origine du son, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle faisait que suivre celui tracé, longtemps auparavant, par son père. Elle le sait aujourd'hui, en croquant dans son quartier d'orange à son balcon, à quelques encablures de là où tout a commencé. Alors, Chiara se lance à corps perdu dans deux mots anglais qui, accolés, soulèvent tour à tour le mépris, la ferveur, le rejet, les rave parties. Comment ça se passe ? Pour entrer de l'autre côté, accéder à ces nouveaux territoires, le protocole est le suivant. On se retrouve chez Sandra, avec Thomas, Jus, Maria, Cécile, Manu. On se chauffe, on met de la musique, on guette fébrile l'horloge du salon. Quand l'heure arrive, 23h, peut-être minuit, on descend dans une cabine, souvent celle de République. On tape le numéro, qui a été transmis sur la radio pirate, 102.4. Et on a fébrilement noté sur un bout de journal. Alors viennent les instructions. Tout va très vite, faut être efficace. La meilleure méthode, c'est celle-ci. Chiara répète à haute voix ce qu'on lui dit dans le combiné. Cécile, dont l'écriture est la plus véloce, le reporte sur un bout de papier. On remonte à l'appart, on se fait une trace, on part dans l'élan. Ils montent dans une caisse, en général celle des parents de Manu, pas vraiment regardant sur les clés ni sur le compteur. On file vers le sud ou vers l'est. On débaroule sur le périph', fenêtre ouverte, le vent chaud de la nuit, les bras dehors, la main au-dessus, les lumières vives des autoroutes qu'on dépasse. On ferme les yeux, tout semble offert. On ne sait pas où on va. On a des indications de départemental, de national, de chemin, qui tout ensemble dessinent des sortes de cartes au trésor.
Vous prenez la R24, vous traversez les champs de betteraves. Attention, pas le deuxième chemin, il ne mène à rien. On dépasse les bretelles, on s'enfonce dans la terre, on ne voudrait être nulle part ailleurs. Les cœurs cognent fort, on avale des bières tièdes, l'air fraîchit. Chiara est assise à l'arrière. Elle passe sa tête par la vitre. Thomas est à côté. Quelque chose crache dans l'autoradio, la A5, puis la D403. On sort après Fontainebleau, toujours Fontainebleau. Les vapeurs de Lyon dans les narines, on dépasse un chemin de terre, on perd le bout de papier, on le retrouve sous ses pieds, il est 1h34. Prendre le petit raidillon sur la droite. Un raidillon, les gars, sérieux ? Demande. Malia, ça pourrait être ici comme ça pourrait être là. Manu s'impatiente, on fait demi-tour, on a dû le rater. Voilà, c'est là, dit Chiara. Continuez sur une dizaine de kilomètres. Cécile ouvre 3 nouvelles canettes. Les paumes sont humides. On n'aurait peut-être pas dû faire péter le bout d'ecstasy avant d'arriver. Eh les gars ! Il y a du bruit qui vient de là. Chiara, par la fenêtre, a entendu quelque chose, comme une rumeur au loin. Un truc lourd. Épais. Derrière les champs. Manu roule. Thomas, un joint. On tourne à gauche. La rumeur se rapproche. Faut prendre la pente sur le côté. Ça glisse. Il y a de la boue. On arrive en bas. On entre à l'intérieur du bruit. Chiara sort de la voiture. Elle distingue des formes dans la forêt. On est arrivé. On laisse la bagnole à côté de quelques autres sur le replat. On s'élance. Plonge dans la nuit des lumières. Terrain vague, basse lourde, chien qui rôde, sur le côté, fille à capuche, Manu sourit. On lance le fameux pas, d'arrière, en avant. Le dos légèrement penché, on serre les poings. Au seuil de la forêt, hors du temps, les vagues montent dans le cœur et le ventre de Chiara. Mer chaude, agitée, et elle danse. Dans l'air, quelque chose de trouble, de violent. Elle se sent libre, comme jamais. Son corps, sur aucune carte. Le son sort d'on ne sait où. Épais ressac, dont le rythme accélère. Les vagues de joie la secouent. Chiara ferme les yeux, laisse tomber sa tête en arrière, les basses enflent. Dans sa poitrine, un souffle aigu qui titille les ventricules de son cœur. D'autres gars autour d'eux qu'elle salue, des mains se serrent dans la nuit. On refume,
On recharge la cavalerie, on attrape des canettes tièdes, on se retrouve sur un bout de tronc fendu. Le cœur à vif, on parle de moments enfouis tranchants remontés à la surface, inopinément. Chiara prend Thomas dans ses bras, elle l'embrasse, elle sent sa peau douce et chaude, elle sent sa langue. Elle se marre, se rapproche des enceintes. Autour d'elle, même manège, capuche, cheveux longs, crête, jean noir, balancement, insurrection, décadence. Elle plonge. Quelle folie d'être en vie. La suite est un feu d'artifice dont elle savoure chaque déflagration. Elle n'en gardera qu'une lointaine traînée de lumière dans l'iris. Chiara oublie complètement que les flics peuvent débarquer à tout moment et l'emmener. Ça n'a jamais eu la moindre importance. Elle serre les poings, elle serre les poings. La musique court jusqu'à l'aube et elle avec. Chiara est prise dans la grande spirale 90 des free parties. Cette ferveur électrique qui semble ne pas connaître de bord. Chaque jour, elle pénètre plus avant dans ce monde qu'elle sait déjà être le sien. Elle connaît le parfum de soufre qui en émane, tous ces clichés qui s'y agglomèrent comme des kystes. Ah oui, vous vous enivrez de bruit, ceci n'est pas de la musique, ceci n'est pas de la musique. De toute façon, vous avez le cerveau troué par les drogues, le bruit, la bêtise, vous êtes l'allié de la société. Ce qui est amusant, c'est que ceux qui leur jettent au visage ces phrases avaient pourtant baigné dans les vapeurs 60s, mais non, en l'occurrence, c'est très très différent. Nous, on écoutait des harmonies, ça avait un sens. Vous, c'est le fracas, c'est l'abscon. Super. Chiara connaît des lendemains âpres, oui, où elle voudrait disparaître, des redescentes fulgurantes, à se cracher par terre. Mais elle a des ailes, ça la touche pas. Elle sait la vague devant elle, et lorsqu'on est sur le rivage, on ne veut qu'une chose, c'est la prendre. Chiara a 20 ans, tout à coup, et elle tient mieux sur ses deux jambes. Elle arrête la fac, elle n'a pas vraiment l'intention de travailler pour autant, mais bon, il faut du liquide pour continuer le rythme. Alors, elle entame de missions intérimaires en vacation de serveuse, une carrière qui s'annonce fascinante. Elle demande guère plus qu'un peu d'argent pour pouvoir vivre sa vie sans devoir la gagner. Et puis elle progresse de jour en jour sur ses platines. Il y a quelque chose. Elle le sent. C'est une question de rythme, c'est une question de sang. Les rythmes, justement, elle sait les tenir battants dans sa main, les concasser, les mordre, les mêler pour en créer de nouveaux. Alors elle avance sur cet étroit chemin de crête. Elle n'a pas encore trouvé sa phrase, celle qui l'accompagnera toute sa vie et l'emmènera dans son sillage. Mais elle est là, pas loin. La syntaxe est encore rétive, mais elle perd pas la foi. Des amours la traversent comme des grippes passagères. Les autres sont des adjuvants, autant que des poids à ses pieds qui l'empêchent de prendre son envol. Alors elle avance dans cette oscillation entre l'ardeur et l'attente, l'ennui, l'envie. Chiara ouvre les yeux.
Son frère est toujours là, allongé à ses côtés. Son visage rond, les boucles qui l'entourent, les sourcils fins, lui rappellent Paul, leur père. 3 semaines plus tôt, ils étaient assis tous les trois sur ce banc des Tzatere à Venise. Cara avait allumé un joint de skanka qu'ils avaient fumé lentement au rythme des chaluts qui passaient devant eux. Puis Léo s'est levé. Il est revenu 10 minutes plus tard avec une barquette de calamars qu'ils ont avalé en lançant de petits cris de jouissance. En se léchant les doigts, Léo, tout à coup, a commencé. Je me souviens plus trop ce qui s'est passé, il a dit. J'avais envie de plonger, je crois. De plonger tout au fond pour voir comment c'était. S'il y avait une sortie, s'il n'y en avait pas. Cara s'est tournée vers lui. Et tu faisais quoi? Tu ravalais un petit cachet blanc à chaque fois pour descendre de plus en plus bas? C'est ça. Un peu comme dans le film de Woody Allen, où tu descends les étages comme ça jusqu'à l'enfer, c'est ça? Ouais. Il te reste pas un calamar? Et depuis, c'est... Tu te sens comment? Demande Paul. Je sais pas, dit Léo, j'ai l'impression d'être soit trop loin, soit trop près du sol. J'ai jamais les deux pieds dessus en même temps. Et tu fais quoi? Tu continues à prendre les petits cachets blancs? Minimum. Mais tout est tellement bien quand j'en prends, et je respire mal quand j'en ai plus. Léo sent l'herbe appuyer sur ses tempes, appuyer sur son cœur, et il décide de ne retenir ni les mots, ni les larmes. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui pèse. Tout, j'ai l'impression, et rien en particulier, je me répète 20 fois par jour que la vie est merveilleuse, et elle l'est. J'y crois, mais... Le poids sur la poitrine revient, et j'arrive plus à respirer. Et tout m'angoisse de la fenêtre d'en face à ma valise à préparer, alors que franchement, c'est pas grand-chose. Et tu peux pas essayer de respirer lentement, fermer les yeux, calmer la tempête? Ouais, ça va, Paolo Coelho, là, c'est bon. Cara prend la main de son frère. Ils ont surmonté 1000 épreuves. Ils y arriveront encore une fois. Elle serre ses doigts fins auxquels elle avait enseigné le monde. Une petite barque au bois vert écaillé passe au loin. Paul regarde son fils. Sa grâce, la gravité des gestes au bord du vide ou de l'envol. Et Paul se demande ce qui a foiré. Quelque chose, à un moment donné, a dû dévier. Pourquoi son fils flotte-t-il ainsi dans les limbes? Pourquoi sa fille a-t-elle formé cet insubmersible carapace? Est-ce qu'il a fait de mauvais choix? Est-ce qu'il leur a légué des mâles et des poids qu'il avait lui-même récupérés de ses parents et eux-mêmes des leurs, et ainsi de suite jusqu'à Mathusalem? Bon, personne n'est coupable dans ces affaires-là, mais quelque chose a dû rater dans la cible et dans l'envoi. Sur ce banc, Paul a les deux pieds droits sur le pavé, mais ses mains tremblent. Pourtant, il n'avait jamais existé qu'une chose pour lui, c'était la joie. Il ne l'avait pas toujours atteinte, évidemment, mais c'était l'horizon et la seule question, la joie. Pas le baume des supermarchés, pas la barbe à papa de la fête foraine qui tourne en boucle dans son réduit, pas la délicatesse bourgeoise, non, mais... Paul et ses amis ils parlaient d'autre chose, d'un truc violent, aiguisé, qui vous broie le ventre, qui vous lacère la peau, la joie comme le contraire du bonheur, celle qui vous blesse, vous creuse. Et dans la musique, il avait peut-être cherché que ça, cette chose simple, puissante, être en vie, sans jugement, sans morale, exister. C'est ce que faisaient les airs, les mélodies, incarner l'être en vie dans un ruban, ils en chantaient les moindres vibrations, les subtilités, ils en disaient toutes les textures. Sans pour autant ne rien dire de précis. C'était ça, leur génie. Mais alors, est-ce qu'il n'a pas réussi à transmettre ça à ses enfants? Il brandit la joie comme étendard, mais c'est si simple de prôner l'élan quand il est naturel et que notre organisme le sécrète aussi facilement que, je sais pas moi, des hormones ou du lait. Alors tu sais quoi, ferme-la.
ferme-la, pense Paul, ferme-la et prends toi aussi la main de ton fils. Il n'y arrive pas. Sa main reste au port. C'est bien quelque chose qu'on se transmet de corps en corps dans cette famille, c'est l'incapacité d'exprimer entièrement ces putains de sentiments, de les vivre au-delà de son cœur comme des choses partageables. Il faudrait quoi pour ça? Il faudrait des mots, des gestes qu'ils ont tous si souvent retenus. La joie. La joie pourtant était là, mais elle ne se disait pas. Alors Paul tend la main et atteint une autre, celle de sa mère, qu'il a enterrée quelques jours plus tôt sous les cyprès de sa maison. Ses mains étaient longues, calmes souvent, elle savait comment aborder un verre, comment caresser une plante, effleurer un destin. Sa mère savait faire ces choses-là. On peut bien disparaître après ça. Jusque dans ses boitements, ses incertitudes, les doutes qui pouvaient habiter et parfois déséquilibrer ses gestes, elle conservait cette grâce sans âge qui ne se décide pas et demeurait aérienne, en équilibre. Elle pouvait confondre les noms, s'en mêler les pinceaux, se laisser emporter par les fleuves, elle pouvait faire ces choses-là. Cela n'importait pas, jamais elle ne tombait à côté. Mais Paul n'a plus peur. La mère a aimé son fils, et le fils a aimé sa mère. On ne peut rien demander de plus à la vie. Cette chose est là, indépassable, inatteignable. On peut bien s'agiter ensuite, faire des choses, aller et venir. Il n'y aura finalement eu que ça. La musique nous parle du même pays que la mer. On écoute avec le bas-ventre, celui qui vibre depuis les premiers pas dans le monde, on écoute depuis l'arrachement d'une peau à l'autre. La musique, et c'est pour cela peut-être qu'elle est si souvent insoutenable, qu'on ne peut l'écouter sans retour, sans être entièrement renversé, la musique vient du fond des artères et des viscères. On peut en parler, on peut l'analyser, mais elle est pure chair, elle est naissance, corps, emportement. La musique nous donne accès au monde, enfin. La musique, c'est la mer. Et Paul l'enterre ce matin, sous les cyprès. Paul tend à nouveau la main, celle de sa mère, s'est éloigné, il atteint finalement celle de son fils. Il la serre fort, les hauts regardes, la rive nord, les tzatere, les eaux plates. Paul voudrait refermer les portes qui viennent de s'ouvrir. Il y en a trop, il sent que l'eau afflue, il connaît la mélodie. Coupante, elle l'avait maintenue en vie. Elle n'avait fait qu'accroître en lui les sidérations et les creux. Regarde ses deux enfants, des adultes maintenant. Il ne sait pas ce qu'il leur a transmis, héritage, fardeau, il ne sait pas ce qu'il aurait pu mieux faire. La joie ou la tristesse coulent pareillement dans leur sang. Ils sont tous les trois forts, troués, élancés, fébriles, poreux, à fleur de peau. Ils avanceront, comme ça, ils y arriveront. L'aventure est puissante, effrayante. Ils y arriveront. Paul tire une dernière latte, passe la fin du joint à Chiara. Il ne pense plus à rien. Il n'a plus froid aux jambes, il n'a plus peur. Il ne pense pas aux eaux troubles sous ses pieds, au passage des choses, à ces conneries de temps qui coulent. Putain d'Apollinaire. Les eaux bleues, vertes, se reflète sur les flancs du vaporetto qui passe dans un bruissement. Paul est assis sur un banc à Venise. Il tient la main de ses enfants. Le reste n'importe plus.
Comme les corps de Paul et de Chiara, nous sommes toujours dans plusieurs lieux et plusieurs temps à la fois. D'hier, nous passons à aujourd'hui en un claquement de doigts, un regard, une fausse note. C'est comme ça. Nous voilà donc en 1975. Pour Paul, l'ardeur et la joie, ça avait commencé comme ça. Numéro 140 de la 27e rue, Paul Malval fume une clope. Il s'y est remis en arrivant à New York. Pas vraiment le choix, tout le monde fait ça ici. Il observe, d'en haut, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du diable. Il tire sur son filtre, le goût fruité du bitume lui remonte dans l'œil. Il fait chaud aujourd'hui, il est chez Judy, comme souvent en ce moment, New York City. Il dort là-bas, avec elle, dans l'angle, un matelas, éventré, recouvert d'un drap vert. Il y a toujours des rubans de lumière et des radios pirates qui flottent dans l'air de cet appartement du 5e. On s'y sent bien. Judy est une délicieuse petite écureuil qui vibrionne d'une pièce à l'autre, d'un bar à l'autre. Ensemble, ils creusent leur sillon dans la ville livrée aux rapaces et aux fous. Ils le savent, mais ils font gaffe, ils font pas gaffe, pas du tout. Et toujours jusqu'à présent, leur œil aux aguets les a sauvés du désastre. Paul est là, à la fenêtre, et il fume. Il sait qu'il vit sur un fil, c'est sa joie, sa malédiction. S'il aimait les grands mots, il dirait destin, mais on sait qu'il ne les aime pas. Il préfère la vitesse, l'inconscience, la bêtise parfois, il préfère la naïveté, qui est un élan, la folle joie de vivre, quand on sait la mort partout. Il jette son mégot, avale une gorgée de bière et rallume une clope. Il sait qu'il vit sur la sellette, depuis ce lointain ferry anglais sur lequel il est tombé il y a des années. Mais c'est pas un poids qu'il porte, c'est sa danse périlleuse et joyeuse à lui. C'est quelque chose qui s'applique à transformer chaque jour en chance. Il fume à la fenêtre et tout rugit en lui. Il sent encore sous sa peau les tremblements d'hier, le mélange audacieux qu'il a avalé, sniffé au cœur de la nuit. Que voulez-vous, la nuit est prune et lui il est dedans. Il veut s'y enfuir, il sait bien ce qu'elle cache de fulgurance, il connaît ses éclairs, il les veut pour lui, partout dans son corps. Alors oui, oui, il creuse peut-être son cœur, mais dans le même temps, il l'emplit. C'est l'histoire de sa vie. Tout ce qui le blesse le fait jouir aussi. Judy lui dit quelque chose qu'il n'entend pas. Il avance la main, il se sent ballon de baudruche. Le monde est vaste et dévorant sous ses pieds. Il est en vie, il est en vie. Il tiendra le coup. Et puis sinon, tant pis. Paul entend tout. Depuis le camion poubelle en bas jusqu'aux rives de l'Hudson à 4 km plus loin. Tout. Et les associations qui se forment dans son cerveau atteignent des niveaux de folie jamais vus. Il n'y a plus qu'une distinction très fine comme une membrane entre l'ouïe, la vue, les couleurs, les sons. Tout se passait au tamis des synapses altérées au front des connexions et des visions toujours plus aléatoires. Pour vous donner un exemple, Paul entend dorénavant les chiffres qu'il lit. Il entrevoit des icebergs géants à l'écoute des trois symphonies de Rachmaninoff. Il visualise la chaleur d'une cuisse en train de courir en altération de rouge selon l'énergie générée. Il discerne sous la poitrine des personnes qu'il croise l'état de leur cœur converti en sifflement de chauffage central. Autant dire que ça délire sévère, quoi. Le dos lui rappelle très clairement un sac de jute jaune. Le sol mineur, un sol pleureur, vert absinthe,
Il déteste le fa tarentule, alors il le remplace dès qu'il peut par un la cinquième mer du sud. La plupart du temps, les accords mineurs creusent en lui des registres vert, marron, gris. Les accords majeurs, c'est plutôt rouge écrevisse, rose piqué. Et les choses évidemment se compliquent lorsque les accords s'enchaînent et que les sols s'ouvrent sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il fait ? Il plonge alors sa tête dans l'eau glacée et il en ressort neuf, lavé, prêt à repartir vers le tumulte. Et il passe ses journées, comme ça, à courir entre les tours. Il observe, il croise, il écoute, il détaille le flux devant lui. La déferlante de trottoirs, de places, de visages, de démarches, de pays, de langues. Il se jette dedans et disparaît dans la ville. Chiara passe sa main sur sa table en châtaignier. Chiara est dans son appartement de Prenzlauerberg. Mais en même temps, elle est en Corse, à Barcelone, à Paris, à Venise. Chiara mixe sa vie, sa musique. Elle va, elle vient, elle divague, et elle passe et repasse sa main sous sa table en châtaignier. De lézard, écharde se glisse sous sa peau. C'est pas grave, ses mains courent plus vite sur l'étalage, l'enchevêtrement incroyable de câbles, de machines, de synthés, de moduleurs, de contrôleurs, d'instruments laissés là, sur sa grande table de Prenzlauerberg. Ça semble un chaos infini, en réalité, tout est pensé. Il y a là une guitare oubliée, une culotte qui ne servait à rien, un pull marinière, des biscuits et son assemblage insensé de synthés, de moduleurs, de contrôleurs. Et avec ça, elle mixe sa vie, sa musique. Elle voudrait un son qui ne soit qu'à elle. Elle le cherche, elle vrille, elle fend, elle fore, elle essaye. Elle chute, elle se relève.
un son qui corresponde à son époque, à sa génération, à elle. Cette génération embrouillée, robotique, flâneuse, indifférente, inconstante, passionnée, trouée. Alors elle voudrait, dans ce millefeuille de textures, de sons, de couleurs, arriver là, peut-être. Qu'est-ce qu'elle fout encore là, dans cette ville qu'elle traîne comme un poids sur le dos? Bordel, il fait nuit à 15h30 en hiver. Les murs sont toujours aussi mélancoliques. Et pourtant, elle est là parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans l'air qu'elle a trouvé nulle part ailleurs. Une légèreté, une liberté. Elle est là. Et elle mixe sa musique. Et moi, je la regarde. Je suis là, au fond du salon, et je la regarde faire, chercher, tenter. Depuis ce jour, lointain déjà, à l'Apollo, à Barcelone, où j'étais là, en train de... d'essayer d'imiter les pas de mon ami, danse et danser. Je l'ai vu là, apparaître sur la scène avec son blazer en... avec un tigre chinois. Et tout de suite, j'ai vu dans sa grâce, dans ses gestes, tout de suite, j'ai vu que... qu'il y avait quelque chose que je ne comprendrais sans doute jamais. Et c'est le cas, parce que je suis toujours assis là. Et je la regarde, et je ne comprends pas. Et elle me sourit, elle me dit « Dégage, laisse-moi » dans un sourire. Est-ce qu'on sait toujours le charme et la grâce de son sourire? Est-ce qu'on en joue? Je ne sais pas. En tout cas, je me retire. Et je sais, un jour peut-être, j'essaierai de percer le mystère. Elle est là, et en même temps, elle est en Corse, la plus grande fête de son histoire. Ils sont tous rassemblés, toute la famille, tous les amis, les historiques de Paris, de Lyon, de Berlin, d'ailleurs. Et ils sont là, dans une grande fête, celle qu'elle voulait, Chiara. Et elle mixe, il y a des gens nus, recouverts de crème. Il y a une grande piscine avec des bouées en forme de flamant rose. Il y a des litres de mezcal, de rhum. Et il y a surtout le grand ciel corse. Ils sont là et ils s'agitent. Ce qu'ils ont toujours fait dans la famille Malval. Dans cette famille où la musique se transmet comme une plaie, comme une maladie vénérienne, comme une malédiction. Être en vie, être mortel, toujours dans le même mouvement. La musique, c'était ça. C'était une plaie à ciel ouvert et en même temps, toujours être à côté de la mesure. Toujours, tous. Et Chiara, elle en crève d'être au bout de la chaîne et de reproduire les mêmes systèmes, les mêmes héritages. Elle se pensait libre. Quelle conne. Mais non, regarde-toi, penchée à triturer tes machines comme ton père, comme ta grand-mère, comme tous. Mais c'était ça la musique. Le cœur sur la sellette de ton père, la folie de ta mère, la fébrilité de ta grand-mère. Peu importe, c'est pas grave. Elle mixe sa musique, sa vie. Tout ça,
ça, ça a commencé un jour. Elle se souvient de ce jour précis où elle s'est dit « Je vais devenir quelqu'un ». Dès lors, les emmerdes commencèrent. On ne devrait jamais vouloir une telle chose. On devrait simplement être souffle au vent, ne pas peser. Mais non, elle voulait. Et quand on est un être de sexe féminin, même au début du 21e siècle, ce ne sera pas si simple que prévu. On lui a dit « Tu veux faire de la musique ?» Ah oui. Alors attends, je réfléchis. Tu peux être muse, ça c'est super. Tu peux être inspiratrice comme ça dans un canapé vert. Tu rayonnes. Tu peux être groupie, ça c'est super aussi. Tu peux être figurante. Tu peux être potiche avec une perruque. Tu peux être bassiste aussi, mais alors dans le coin là-bas au fond. Voilà. Ça te va ? Non. Alors elle a continué, persévéré, et elle est là, finalement, ce soir. Prenzlauer Berg, elle est devenue ce qu'elle voulait, DJ. Elle a tenu. Elle ne sait pas si elle a un son, si elle a quoi que ce soit, mais elle essaye. Chaque jour, d'être plus libre et de forer, et de vriller, et de fendre, et de tordre. Et on verra bien ce qu'il y a au bout. Bien sur sa table en châtaignier sur laquelle elle mixe et remixe sa vie au milieu de ce fatras de machines, de câbles jaunes, rouges, verts. Elle continue à voir là-dedans la plus exaltante des aventures, cette plongée dans les zéros et les uns. Chiara est au bord de l'eau. Elle est en Corse, à Berlin, à Barcelone, à Paris. Elle divague. Elle rêve sa vie. Elle sent sa peau tapissée de toutes ces bulles éphémères, ces mélodies légères qui auront constitué les bords de ces hémisphères, les murs aussi sûrement qu'une pensée dans la nuit. Elle sent que toutes ces chansons, ces musiques ont formé la matière de sa peau et tout le reste n'est que rodomontade, bêtise des hommes. Lorsqu'elle rouvre enfin les yeux, la rivière coule toujours à ses pieds, un peu plus haut, mais ça doit être une illusion d'optique parce que les rivières ça monte pas. Et son frère est assis. Il regarde l'autre rive. Tu rêvais ? Oui. Ouais, je crois. Je crois que j'ai rêvé. Je sais plus trop. On y va si tu veux. Dis Léo. Où ça ? Dis Chiara. Je sais pas. Prends ma main.
au bord de l'eau, Chiara a divagué, elle fabule, elle a rêvé sa vie, celle de Paul, celle de Léo. Elle s'est trouvée, s'est oubliée. Au bord de l'eau, Chiara Malval sourit. Merci beaucoup. Merci.